Février 2015, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez au même moment l'année passée? Bah, l'avantage quand tu fais des vlogs, c'est que tu as toujours une trace. À cette même période-là, l'année passée, j'apportais ma contribution à un monde meilleur. En février 2014, je donnais mon sang, le truc qui casse l'ambiance. Alors en fait, on est là pour redonner notre sang, comme on a peur. J'ai pas trop peur. Oh mon Dieu. On va voir ce que ça va donner. Ok, donc pour ceux qui habitent à Lausanne et alentour, c'est facile, vous prenez le M2 jusqu'à Vennes, ça se passe au biopôle de Vennes, c'est hyper simple. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire à l'avance, vous arrivez, vous vous annoncez à l'accueil et c'est tout. Oui, ça commence. Ah, et toi, Natacha? Ça va bien se passer. Après ça, à part ça, t'auras plus jamais peur des aigus. Ouais, bah, y a intérêt. Oui, nous a Attends, voilà, là, on a fini de remplir les questionnaires. Ah, on est prêt pour aller là. On va y aller. Ouais, questionnaire rempli. Faut mettre date, machin là. Ouais, ouais. On est sur le point d'aller donner notre sang. Seigneur, j'ai peur. Lord have mercy. Bon, une fois que tu as rempli ton formulaire, on t'emmène dans une petite salle pour le test d'hémoglobine. En gros, c'est un test pour vérifier la qualité du sang. Je voulais par contre piquer le majeur. C'est mieux pour vous. Ah, parce que c'est un doigt qu'on utilise un tout petit peu moins que les deux premiers. Ok. Ça va? Ça va. Non, ça allait pas. Je crois que de toute la procédure, c'est cette piqûre-là qui m'a fait le plus mal. C'est vrai que Betty, si c'est pour donner du sang de moindre qualité. Alors, on va s'installer là. Oui, désolé. Est-ce que vous arrivez à remettre droite? Ça devient sur la comme ça. Alors en fait, je suis en train de filmer, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je regarde pas. Ouais, d'accord. Juste... Alors vous regardez pas, puis donc, voilà, moi je montre juste l'aiguille, oui, comme ça. Je pourrais jamais regarder cette image. Ouais. Hello Betty. Voilà, c'est fini. C'est enlevé déjà? Ouais, c'est fini. Ah, j'ai rien senti. Sur le devant de la cassette. Mon Dieu, j'hallucine. C'est fait. Bon, Eleni, elle est encore en pleine. Je suis encore en train de donner le sang là. C'était... En fait, c'est plus de peur que de mal et ça va assez. Vous avez encore une bonne couleur, hein, c'est blanc. Ça va. En tout cas, j'ai adoré. C'était une expérience magnifique qui, en plus, m'a vaccinée contre ma peur panique des aiguilles. Avant ça, on pouvait pas m'approcher à moins de 100 mètres avec une seringue. Quelques jours plus tard, je suis allée chez le dentiste. J'étais à l'aise, aucune appréhension. Quelques semaines plus tard, je suis même allée faire mon premier piercing. Et puis là, ça allait pas du tout parce que j'avais de nouveau complètement peur des aiguilles. Voilà, je suis arrivée chez Tribe Hall pour mon piercing microdermal que je vais faire juste là. Je suis juste terrorisée. Oh my god, ça y est, c'est fait, ça n'a pas fait trop mal. Ils sont absolument nickel chez Tribe Hall, Georges et Méloé, super sympa, super cool, professionnel, propre. Je vous montre le résultat. Oui! Et encore que je mette la gaze et du sérum physiologique, en fait, de l'eau salée dessus pour que ça cicatrise comme il faut, que ce soit tout beau, tout joli, mais je suis hyper contente, oui! Voilà, là, on le voit mieux. It's so cute! Avec toutes ces histoires de piqûres et de petits trous, je me demande bien comment je vais pouvoir appeler ce blog vidéo. Je crois que j'ai trouvé. J'étais entre deux options, je me suis dit soit tu te rases la tête et tu tatoues le crâne, soit tu fais un piercing.